Ok, pays des morts. Me voilà. Yo tout le monde, c'est Mister Puddle et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode d'Uncharted. On est au chapitre 14 et aujourd'hui je serai en compagnie de... My enemy, bonjour. Voilà, qui sera à côté de moi et qui dira pas grand chose, mais c'est moi qui vais le plus commenter. On est parti pour ce chapitre 14. Pas tombé. Un truc qui brille d'ailleurs. Il y aura un trésor là-bas. Pour passer. Je sais pas comment on va devoir faire. Bon, on va essayer comme ça. On verra bien. Qu'est-ce que ça donne. Oh. Yeah. Ouais. Ça a l'air pas mal. Superbe, c'est bon, on est monté. Ah, attends. On doit pouvoir aller là. Chercher un trésor. Donc Nathan est tout mouillé. T'auras pas autant de chance cette fois. Le désert. Ça, c'est un fusil à pompe. Alors pourquoi ça s'est allumé? Pourquoi plusieurs spots sont allumés comme ça? On peut pas monter par là. Ah. Ok, on peut monter maintenant. J'essaye de commenter un peu plus le gameplay, parce que les épisodes précédents, c'était pas tout ça. Oh putain. Ouf. Allez, retourne-toi. Putain, il vient par là. Hey! Okay.
fenêtre. Super. Hop. Charge de mes lunettes. Tue-le ! À la bruit ! Merde. Allez, cache-toi, cache-toi. Ouais, c'est fusil à pompe. C'est un espace 12, j'espère que vous m'entendez, dites-le moi dans les commentaires. C'est pas de fusil. En 6 mètres. Je crois savoir où ça mène. Seulement je pouvais l'ouvrir. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on va sortir par là. Minute, ça doit bien servir à quelque chose. Deux cloches sonnent en parfaite harmonie. Sous nos yeux, on peut y arriver, petit. Mais comment est-ce qu'il compte sortir cette statue de toute manière? J'ai eu peur, je me suis dit, putain, ça a bugué. Alors là, on est dans les catacombes. Oh la vache. Ah, c'est pas vrai, c'est tout partout. Alors, ça fait quoi? Il ne se mêle pas le temps d'arriver et de parler. Donc je disais, on est dans les catacombes de l'église. Tue-le ! Ah ! On a tant de chance cette fois ! Je veux dire, je sais même pas comment on est arrivé ici. Il est là-bas ! Oh merde. Par là. D'accord. Ah, alors, ici, qu'est-ce qu'il faut? Je vais aller par là. Là, monter. Ah ouais, je suis sûr que nous... Oh. Non, c'est totalement inacceptable. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, Roman? Mes hommes se font massacrer! J'ai du mal à croire qu'un homme seul puisse venir à bout d'un équipage tout entier. Mais y'a pas que Drake, c'est pas vrai! Je vous le dis, cette île est maudite! Ça suffit! Prends ton équipe de minables et partez! Non, vous pouvez pas faire ça! J'ai droit à ma part du trésor! Ta part, Eddie, n'était acquise que si tu faisais ce que je t'avais demandé. Tu m'as assuré que Drake était prisonnier et que l'île était sûre. Oh, c'est que des conneries, Roman! Et vous le savez! On en reste là, monsieur Raja. Drake, Amo! Vous allez me le payer! Tôt ou tard! Rappelle-moi pourquoi tu as engagé cet imbécile superstitieux. Il vous fallait un type pas cher. Eh bien, je suppose que j'en ai pour mon argent. Et dans ton cas, Navarro, est-ce que tu vaux le prix que je te paye? La salle est ici. J'en suis sûr. Si Sullivan est digne de confiance... Ce n'est pas le cas. Mais
Il sait qu'on le tuera s'il ment. Ne sois pas stupide, on ne le tuera que quand on aura le trésor. Il n'a pas intérêt à nous dire la vérité. Vraiment, Navarro, parfois je me demande si tu n'as pas laissé ton cerveau dans le taudis où je t'ai trouvé. Il me faut juste un peu plus de temps. Ta chasse au trésor nous pose beaucoup de problèmes, et on ne sait même pas si elle en vaut la peine. Je vous assure, Eldorado vaut beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Ça vaudrait mieux. Voilà. Bon. À partir d'ici. Ça sent un petit peu le gunfight. Non, ça sent pas le gunfight, mais je me demande déjà pourquoi il y a des traces au sol comme ça. Et pourquoi il y a des lampadaires. En plus, je sais pas de toute façon. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est passé là avant nous. Ah, on retourne dehors. Chapitre 15. Alors là, on a deux choix possibles. Soit aller par ici, soit aller par là-bas. On va aller voir par là. Il n'y a rien. Mais encore des lampadaires. Comme quoi des gens sont déjà passés ici. On va aller voir là-bas. Ah bah putain. Voilà. 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 Hop. Qu'est-ce que tu fais? Il est con. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con ou quoi? Voilà. Enfin. Oh génial. Ok. Eh mais c'est de là qu'on vient tout à l'heure. C'est de là qu'on est venu. Nate, tu m'entends? Ouais. Salut, je tourne en rond ici. Bon, on vient de lire quelques-uns de ces bouquins là et... apparemment il y aurait une espèce de galerie secrète en haut de l'église. Tu peux y aller? Ouais, il me semble bien. Attendez, appelle-nous si tu trouves quelque chose. Attends, qu'est-ce que je fais là moi? On revient de là où on est au début. Il n'y a rien ici. Attends, attends. Je suis sûr on a loupé un truc là-bas.
Qu'est-ce que c'est ça là? Ça. Ah, en fait on est en bas quoi. Ok, donc on est en bas. Si on voit là-bas. Peut-être aller en bas. Non. Donc on est là. Donc c'était pas ça. Je pensais qu'il fallait chercher le truc en face. Oh putain, il me ramène là. On va pouvoir sauter là. Hein. C'est par là qu'il faut aller alors. Quoique. Non. Ah, d'accord. Ah, voilà. Pas eu besoin de faire grand chose. Hein. Ah. Voilà. Donc en fait là ça va être un grand truc d'obstacle. Il faut aller jusqu'au cœur. Et ça. Là. Ça va être d'un coup. Ah. Ça je vous le dis, c'est l'un des pires trucs qui est sur le premier Uncharted. C'est là-dessus que je me chier. Mais bon, on va essayer de faire nickel. Ouais. On va éviter de tirer dessus. Quoique. Ça a rien fait. Je sais qu'il y a des moments, il y a des checkpoints qui me permettent de mettre une corde ou une échelle en bas. Voilà. Faut qu'on aille donc là-bas. Je viens de là. Je saute. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir faire deux trucs. Voilà, première clé. Qui va faire tomber des trucs normalement. Faut que j'aille vite de l'autre côté.
J'ai par là. Par là. Alors on, voilà, on revient du de là où on était tout à l'heure avec le coup de la cloche. La cloche est juste en dessous de nous. Et l'entrée donc de... Par là où on est entré est juste en dessous de nous. Voilà, deuxième. Et normalement... Voilà. Sens, il y a un truc. Déjà, il y a un truc d'or. Normalement, c'est 7 vitres. Salut! Dites-moi que c'est pas vrai. Hey, salut! Je t'écoute! Tu te rappelles Roman et Navarro et cette fausse piste sur laquelle tu les as envoyés? Ouais. Bah ils sont assis pile au-dessus de la salle du trésor. Oh, tu parles un coup de bol. Bon, je vais avoir besoin d'une diversion pour qu'ils sortent. Aucun problème, une diversion, je m'en occupe. Hé, Sully. Ouais. Après ça, retrouve-moi au mausolée. Mais passe par les catacombes, c'est bien plus sûr. Ok. Maintenant, faut juste que je passe tous ces gardes sans me faire repérer. Sullivan s'est échappé! Dispersez-vous et trouvez-le! Je vous le dis, là aussi, ça va chier. T'auras pas autant de chance cette fois. Il y a découvert. Voilà. Ok, bon. Aussi. Toi.
quelqu'un. Si mes souvenirs c'est bon, faut que je rentre là. Mais on va quand même aller chercher. Non, je pensais que c'était des mines. Non. Ils étaient tous au pont ou quoi? Ils sont où les mecs? Ah. Nickel. Ah, maintenant il va falloir rentrer. Salut. Salut. Je savais qu'il y arriverait. C'est quoi la suite? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 symboles. Ah la vache! Roman et Navarro ont mis un de ces boxons ici. Alors, peut-être les mettre dans le bon sens. Alors la croix est bien mise. Ça, c'est des flèches. Ils sont pas dans le bon sens. Voilà. L'angle. T'es sûr qu'on est au bon endroit. Et dans le bon sens. Ensuite. C'est moi qui viens de danser. Le livre. L'image. Elle est en haut. Comme ça. En dansant le livre, on verra bien. Ensuite. Le verre. Tout plein est en haut, c'est bon. Ça, c'est bon, le serpent. Il va être sur le côté. Comme ça. Et le coquillage. Donc le livre était dans le bon sens. Les affaires reprennent. Ouh. Ouais. Cadeau. Tu crois que ça mène où? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé hey. J'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Oh merde. Putain, c'est quoi ce truc? Se descend de là. Hein? C'est un piège! Sullivan, tout va bien? Sully! Ouais, ouais, ah. Ça va. J'ai allé le casser. Ah. Dis donc, t'as mis le paquet. Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. Super. Bon, on est obligé d'avancer. Chapitre 16. On est au troisième chapitre de cet épisode. Oh, c'est quoi cet endroit de... Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Ah, je vous le dis, ici c'est un bordel. Pour trouver quelque chose, c'est la merde. Attends un peu. Je pensais pouvoir sauter, mais d'accord. Alors comment je...
va essayer d'aller en bas à droite là-bas. Attends un peu. C'est vrai qu'il y a des trucs sur le sol. Il y a des chiffres romains sur le coin de la carte. Alors, ça veut sûrement dire quelque chose. Ça vient de bugger. Voilà. Alors 2, 5, 7. Il faut suivre donc les chemins 2. D'accord, après. Là. C'était quoi? Alors attends. Oh merde. Je suis complètement paumé. 2, 5, 7. Là il y a le 5. Là c'est le 5. D'accord. Donc on va suivre le 5. Quatre est à droite, on s'en fout. 5, il faut monter. D'accord. Ensuite, 4 est à droite. Le 3 est par là. Donc le 5 doit être là. Ça doit bien servir à quelque chose. C'est quoi ça? 2. Passe quelque chose. Nate, t'as fait quelque chose? Ça commence à bouger pas mal en bas. Il va falloir aller là-haut, le 5. Je dis, on va monter pour voir. Non, on peut pas. Ah si. Ah, attends. Regarde. 5. On va le passer. C'est quoi ça? 2. Sully, tu me reçois? Merde, que dalle! Là-bas. Ah si, attends, ça descend. 2 et 1. 2, 5, 7. Faut suivre le 2. Sans tomber. 5. Oh putain. Oh. J'y suis. Yes, fais tu attention. Vas tomber. Oh. C'est bon. Tout va bien. Attends, il y a 4 là-bas. 7.
Voilà. Ici. Merde. Qu'est-ce que je fais? Ici. On refait ça. Ok. Ah, oh, c'est une idée. Voilà. Téléviseur qui affiche, qui va s'éteindre. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Allez, bon, pas se tromper cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ah, j'ai vu un truc bouger. Je sais pas ce que c'est, mais je vois un truc bouger. Non, je sais pas pourquoi il y a ça. Bien voir. D'accord. On pouvait monter. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que... Ah bah on est passé. Super. Ok. Bon. Bah merci, mais bon, je sais pas trop ce que j'ai fait. Alors, restez sur 2, 5, 7. 2. Eddie Raja. Hey, boulet. Maintenant c'est temps. Il m'appartient. Ah, t'as perdu. Tuez-les tous les deux. Ah, et ben c'est de mieux en mieux. C'est quoi ça? Je peux utiliser tout ce moment. Donc, alors ne pas oublier 2, 5 et 7. Je crois qu'il y a une sorte d'échelle mécanique là-haut. Ça veut dire reste là et moi je vais y aller. What? Ça fait mal, hein?
Il y en a deux. Alors, je vais reprendre quand même mon gun. Ah, un nouveau joujou. On dirait, à chaque fois qu'il dit ça, on dirait... Il tire d'où, lui? On arrive d'ici. On va monter par là. Sans tomber bien sûr. J'espère que ça mène quelque part. Je crois que je viens du... Je peux voir de mouvement. Le voilà. Non, j'avais raison. Ok, là c'est 6, 2, 5, voilà. 7, 7, ça nous tire dessus, je sais pas d'où, voilà. T'es foutu, Hunting. Voilà. Là c'est 1, il va falloir monter. Essayons par là. Y a rien ici. Tout ça est si vieux. Nate. C'est Drake. Il l'a pas trouvé, il est juste mort ici. Tout ça pour la grandeur. Une vie gâchée. Pour rien. Nate, est-ce que t'es prêt à partir? Ouais. Plus que jamais. Ouais, mais là on n'est pas encore parti. Hein. Il doit bien y avoir une sortie. Le cœur de la salle. Alors déjà si vous voyez... Il y a des mines. On dirait qu'il y a des sortes de machines là-haut. Là, il y a une échelle. Hé, je crois que je peux l'atteindre si tu m'aides. Allez. Allez, grimpe. Oh, t'es plus lourde que t'en as l'air. Tu peux l'atteindre? Ça ressemble bien à... Ah, une espèce de vieux treuil. Il y a une corde. Je vais essayer de te la passer. Oh, je vois un tunnel. On peut sortir par là. Salut les mecs. Du calme, Eddie, du calme. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu les as pas vus? Oh non. Mon Dieu, non. On est piégés. Putain, mais c'est quoi? C'est mort! On va tous crever! Non! Non! Eddie, reviens par là! Oh merde! Drake, si jamais on doit y rester, je veux que tu saches, je peux pas te saquer!
Ouais, pareil, mon pote. Bon, c'est parti. Allez, à partir de là. Dépêche-toi de descendre la corde ! Vite ! Je n'ai rien compris. Ça, c'est que je me suis fait tuer plusieurs fois. Si vous regardez ça, c'est que je me suis fait tuer plusieurs fois. Donc je sais pas que j'aille par là.
Oh non. Bon, si vous voyez ça, c'est que j'ai sauté plusieurs fois. Qu'ils pourront pas passer. Nate. Quoi? On est où, là? Je sais pas trop, là. Oh! Fonce! Ouais. Wow. Ouais, ouais. Ça explique le sous-marin dans la jungle. Nate, par là, regarde ça. Alors ils l'ont trouvé. Ils ont dû s'introduire dans la salle et tout prendre. Ouais, mais qu'est-ce que le monastère a à voir là-dedans? Je sais pas. Ça n'a vraiment aucun sens. Si c'est là que se trouve la statue... Oh merde, on était vraiment juste au-dessus. Je suis sûr qu'on peut remonter à la surface. Les nazis ont pas dû payer l'électricité? Et merde! Tu vois, je suis sûr que si on trouvait la salle des machines, on pourrait remettre le courant. Il faudrait juste qu'on sorte d'ici. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? J'ai trouvé la sortie. Bien joué. Ouais. Bon, on y va. Non, c'est à toi de jouer, cowboy. C'est quoi ce délire? Nate,
Tu sais très bien que j'y arriverai pas. Il est hors de question que je te laisse ici avec ces monstres. Mais on n'a pas le choix. Tu vas remettre le courant, tu reviens me chercher, et après, on se tire d'ici, ok? Allez, fonce. Tu bouges pas, je reviens. Ouais. On va se laisser ici au début du chapitre 18. On vient d'en faire 4 encore dans cette vidéo. On n'est plus très loin de la fin. Il y a 22 chapitres dans cet épisode d'Uncharted. Merci d'avoir regardé cet épisode 4. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et à commenter si vous avez des choses à dire et tout. Et surtout, pouce bleu, c'est pour nous faire plaisir, avoir envie de continuer. Skydry n'est pas avec moi pour cet épisode, mais il est fort dans nos pensées. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de partager nos vidéos sur Facebook, Twitter, Skype, tout ce que vous voulez. Dites-le à vos amis que il y a des cons qui jouent aux jeux vidéo et que c'est pas mal. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et